Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de biochimie. Bon, je ne suis pas un spécialiste et je pense qu'il va falloir être indulgent avec les approximations que je pourrais faire. Alors je vais vous parler en fait de la monnaie énergétique universelle. C'est ce que moi j'appelle également l'énergie de la cellule. Nous sommes faits de cellules, notre corps est fait de cellules, des cellules spécialisées, des cellules cardiaques, des cellules de tissu musculaire, des cellules pour la cornée. Ces cellules grandissent, se multiplient, etc. Elles meurent, elles se régénèrent, etc. Nous sommes faits de cellules. Et les cellules du tissu musculaire, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Toutes les cellules se nourrissent d'énergie. C'est simple. Sans énergie, la cellule meurt. Voilà, elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Et l'énergie universelle de toutes les cellules, eh bien, c'est ce qu'on appelle en biochimie l'adénosine triphosphate. Donc là, je vous ai fait une petite animation pour vous expliquer au niveau de la construction chimique comment est faite l'adénosine triphosphate, qui est cette énergie dont se nourrit la cellule pour fonctionner. C'est parti pour une petite explication. Voici la modélisation de la molécule d'ATP. Alors tout commence par une molécule d'adénosine. Cette molécule d'adénosine possède une liaison phosphétaire sur laquelle sera rattaché un groupement triphosphate, c'est-à-dire trois molécules de phosphate. Chacune de ces molécules est rattachée l'une à l'autre par des liaisons phosphoanhydrides. C'est en cassant une de ces liaisons phosphoanhydrides que l'ATP se transforme en ADP, adénosine diphosphate, laissant derrière elle une molécule de phosphate et de l'énergie qui vient nourrir la cellule. Voilà, j'espère que vous avez pigé le truc. Donc l'ATP, l'adénosine triphosphate, il est donc super important, il est essentiel même pour notre corps. Vous l'avez compris? C'est la seule source d'énergie directe dont dispose la cellule pour fonctionner. Sa disponibilité doit donc être permanente. On ne peut pas imaginer qu'à un seul instant, il n'y ait plus d'adénosine triphosphate. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait plus faire le moindre geste, plus se lever, plus se baisser, plus faire fonctionner son doigt, plus cligner des paupières. En fait, on ne pourrait plus rien faire. La cellule serait figée. Elle ne pourrait plus fonctionner. Mais donc, il y a quand même un petit problème. Le problème, c'est que l'adénosine triphosphate, eh ben, en fait, elle est présente dans notre corps qu'en très faible concentration. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, finalement, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Eh bien, l'ATP, elle est synthétisée et resynthétisée dans un cycle continu. Elle est utilisée, elle est resynthétisée, elle est utilisée, elle est resynthétisée. Alors, ce cycle qui permet d'alimenter un flux continu, un flux tendu dans notre organisme, eh bien, ça fonctionne comment? Voici une petite explication. Un sportif de 70 kg au repos va utiliser et recycler pas moins de 52 kg d'ATP par jour. L'ATP est utilisé en cassant une liaison phosphoanhydride, comme nous l'avons vu précédemment, et l'énergie libérée est utilisée par la cellule, laissant derrière elle une adénosine diphosphate et un phosphate. Alors, pour entre guillemets recoller le phosphate à l'adénosine diphosphate, eh bien, il faut à nouveau de l'énergie et c'est là qu'intervient l'énergie issue de notre alimentation. Voilà, donc en résumé, c'est la dégradation des aliments, de tout ce qu'on peut manger, qui va permettre d'alimenter ce cycle de recyclage, en fait, de l'ATP. ATP, ADP, ATP, ADP, ATP, ADP, etc., etc., etc. Et c'est en continu. Alors, bien sûr, on va devoir manger, s'alimenter de façon saine, régulière, avec les trois éléments indispensables, glucides, lipides, protéines.
pour que on puisse alimenter ce cycle. Alors, nos aliments représentent un potentiel d'énergie chimique très important que notre métabolisme, qui est une formidable machine, va transformer en adénosine triphosphate. Alors, on sait tous que nos aliments, eh bien, avant tout, ce sont des lipides, des glucides et des protéines. C'est ce qu'on appelle des macromolécules. Ces macromolécules vont être décomposées en éléments simples constitutifs lors d'un premier processus. Ce processus de dégradation des macromolécules vont donner des acides gras, des glycérols, des glucides, des acides aminés. Tout cela constitue, eh bien, des éléments constitutifs qui vont être utilisés ensuite pour la constitution d'ATP. La conversion en ATP et en énergie redox, également appelée coenzyme réduit. Donc les ATP et l'énergie redox, eh bien, est produite par oxydation, par glycolyse ou par le cycle du citrate qui transforme les lipides, les protéines et les glucides. Cette transformation, cette conversion va également générer des déchets type CO2. Donc là, on a une première production d'ATP directe par la glycolyse et le cycle du citrate. Mais que faire de l'énergie redox, donc de ces coenzymes réduits? Eh bien, lors d'une troisième étape, ces coenzymes réduits, énergie redox, va être transformé en ATP par une oxydation phosphorylante, également appelée phosphorylation oxydative. Il y a une chaîne de transport d'électrons qui vont amener de l'énergie ainsi que de l'oxygène. Hein. L'oxygène est très importante pour l'oxydation. Va transformer l'ADP en ATP, eh bien, tout simplement en recollant, eh bien, un phosphate. Nous comprenons maintenant que l'énergie de nos aliments nous permet de créer de l'ATP directement, mais aussi de resynthétiser l'ADP et les phosphates en ATP. Ce que nous venons de voir s'appelle le catabolisme et permet donc aux aliments de nous donner suffisamment d'énergie pour synthétiser et utiliser l'ATP. Alors, si l'apport en nutriments excède nos besoins en énergie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, l'organisme va simplement faire des réserves d'ATP qu'on va pouvoir mobiliser à des moments bien précis, lorsqu'on va faire un effort brutal ou violent, ou par exemple qu'on va lancer un sprint, on va soulever quelque chose de lourd, on va mobiliser, eh bien, l'ATP qui est emmagasiné et disponible. Alors, on pourra distinguer deux types de réserves d'ATP dans notre corps. La première réserve, eh bien, c'est sous forme de glycogène. Le glycogène du foie. Il est stocké dans notre foie, tout simplement. On va pouvoir en stocker à peu près entre 75 et 100 grammes. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour lancer un effort. On va également pouvoir stocker de l'ATP directement dans nos muscles, également entre 300 et 400 grammes. Donc là, ça devient un peu plus sérieux. On a en tout, avec le foie et les muscles, on a à peu près un demi-kilo d'ATP disponible pour un effort violent ou brusque. Alors, ce glycogène, hein, cette première forme de glycogène, sera resynthétisé en ATP le moment venu, par le processus d'oxydation phosphorylate qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Voilà donc la première réserve, c'est les glycogènes. Une deuxième réserve, eh bien, ce sera sous forme de triglycérides. Les triglycérides, eh bien, sont stockés dans les tissus adipeux, dans la graisse, tout simplement.
et on va pouvoir remobiliser également les triglycérides de la même façon en ATP par le cycle de Krebs. Nous sommes finalement des piles rechargeables. Et donc le challenge pour vous, amis trailers, amis sportifs, amis coureurs, eh bien, ce sera de gérer les réserves d'ATP et donc votre alimentation avant la course, pendant la course et après la course pour restocker. Alors, ce qu'il faut finalement retenir de cette vidéo, c'est 1. L'ATP est la seule source d'énergie directement utilisable par nos cellules. Deuxièmement, l'ATP n'est pas stocké et sa vitesse de resynthétisation à partir du glycogène et des triglycérides répond aux besoins de l'organisme de façon instantanée. Quand je dis qu'elle n'est pas stockée, c'est-à-dire qu'elle est stockée, mais elle est utilisée sans arrêt. Le demi-kilo de réserve qu'on a, je peux vous dire qu'il est utilisé en permanence tout au long de la journée. Le matin on mange, le midi on mange, on prend des collations, le soir on mange pour restocker, sans arrêt. Troisièmement, la dégradation des aliments libère de l'énergie qui sert à produire cette fameuse ATP et que notre alimentation est très importante. Et que quatrièmement, l'ATP est produite par un processus qui finalement dépend beaucoup de l'oxygène, de l'O2. Et donc il est important de savoir gérer sa VO2 max. Voilà.